Tu joues avec ton environnement, genre t'es à côté de l'arbre, tu peux... Tu voilà. joues avec ton environnement. Ok. Oh, les mignons, les chiens. Bah, je filme ton chien, désolé. Pourquoi tu te tiens comme ça? C'est pour stabiliser le... Il va me protéger. C'est pas grave si tu rigoles, c'est pas grave si tu... Ouais, je suis coincée. Je suis coincée, bracelet. Il est vraiment coincé en plus. Essaye par ici, c'est plus gros. Ah, je peux pas. J'ai fait de la merde. Bon alors, y'a un écureuil. Elle est comme ça, t'es. C'est ce truc qui sert à rien, quoi. Alors, attends. Ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire. Avant qu'il pue d'eau. T'es comme ça, t'es. Tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu vois. C'est moi, tu filmes. Ah, j'arrêterai pour rien au monde. Ne me fais pas rire. J'ai vu l'image, on aurait dit un vieux porno, c'est horrible. Bon, c'est moi. Les cheveux, ça. Ça, c'est le soin, ça attire les gays, c'est comme ça. Dis-lui, c'est bon, c'est pas grave. Ouais, ah, parce que comme ça, j'ai plein de copains présentés. T'es dans la merde. Encore. Mais déjà de base, je rigole. En plus de ça, est-ce que je suis vraiment honnêtement reconnaissant? Merci. Marlène, c'est un coiffeur, non? Ouais, enfin c'était. J'essaie de suivre. Pourquoi c'était? Il est mort? Romain Gueto, je sais toujours pas qui c'est, mais. Les dames, c'est rien. Romain Gueto, quoi. Allô, s'il te plaît. Ah oui, après, il dit qu'il est pas gay. Léo, ok, ce soir. C'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a demandé. C'est toi qui a demandé. C'est lui qui a demandé. Bref. Il a une voix qui passe pas du tout, il a une voix nasale, enfin... Mais non, mais j'aime pas être déjà... Deuxième édition, Kevin Evans. Il nous a ramené un gay, mais, non, mais il arrêtait pas de se pencher et faire « Ah, j'aimerais bien qu'on m'encule !» C'est bon, quoi. Ça, c'est bon, hein. Moi. Quoi? Un ami qui l'a ramené. Moi, j'ai dit ça. Non, ton pote. Mais non, mais tu crois que je ramène des gays ou quoi? J'ai pas de gays. Apparemment, j'aime si c'était pas tes potes, les gays. Je déteste les gays. Pourquoi, pourquoi tu m'en ramènes? Ah oui, homophobe. Il m'a raconté. Non, il m'a expliqué non, j'aime pourquoi. Bien, je les aime bien, mais j'ai. Je les aime bien. Mais pourquoi c'est pas ma faute, c'est mes gars. Pourquoi tu mets à bout comme ça? Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'il m'énerve. J'en aime bien. Mais c'est lui. Mais redis pas ta. J'ai juste dit que t'avais ramené un pédé avec toi. Non, mais redis ta sexualité. Lundi, je t'invite. Tu voulais venir avec Marlon. Encore. Okay, c'est bon, arrête de renier ta sexualité, tu sais, ça sert à rien, tu vas juste en brie, non. Mais t'as quel âge, Benoît? Dans un mois, mais bon, c'est pas grave. 18? Oui, donc t'as le temps de te découvrir. Tu tapes sûrement sur YouTube, tu trouves des vidéos. Je on a trouvé une pub pour du chocolat que tu livres en 4 heures. Non, j'étais un bébé. Ça compte pas. Ah, mais je veux voir ça. On monte, on regarde. D'ailleurs, Sully devient quoi? Ah, ouais, ton pote pédé là. Ah, ouais, c'est vrai, ça Sully devient quoi maintenant? Non, mais lui, il fait des généralités sur tout. Hein. Pour lui, t'as la mèche, t'es un émo quoi. Merci. Ah, non, c'est bon. Je suis pas méchante, je suis taquine. Juste à quoi contre moi? Pour autant m'en mettre plein la gueule, alors que d'habitude c'est moi qui en mets, je comprends pas. Voilà, c'est ça, je comprends. L'arroseur arrosé. C'est pas ton sac, ça? Non, j'ai pas de sac. Mais tu vas continuer à me casser les couilles. D'abord, fais ta journée. L'Oréal. Brosse à chien. Parfum. Ah, j'espère qu'on a filmé, qu'on a cadré là. Merde. Ah, c'était monstrueux. Ça, c'est bon. Après, tu plains, tu te fais tailler, mais en même temps, tu nous donnes de la matière. Hein. T'as peur des chiens, t'as un petit peu pédé. Je t'invite tout le temps. Toi, ton putain de Maxi Bestop, je te le fous dans les fesses, mec, la frite, mais je te la roule bien. Quand même un bon penchant pour les trous du cul, hein. Tu sais pas de se faire enchaîner. J'avoue, putain. Je t'avais dit, Alain, bah alors. T'avais parlé de moi. T'es genre, attends, elle a cassé la chaise et puis tu sais, genre elle est en mode fierté. Moi je veux clap, moi. Ouais, c'est quoi ce caprice de star de merde là? Je veux clap, moi, je veux clap. Les deux pédales, prise 1. Attention, il fait des trucs gays. Faut d'autres familles. Tu reprends tes conneries, s'il te plaît? Non, tu les portes. T'es obsédé par les fesses, hein. C'est toi qui dis ça. Qu'est-ce que tu fais, Charlotte? Ta gueule. Les bougnes, les gobelins. Tu sais que j'ai appris hier que tu sais les petits téléphones portables. Bah moi j'ai cru qu'on disait ça. Tati Walkie.
C'est toi qui... Non, moi j'ai toujours cru que ça se disait Tati Walkie, quoi. C'est mignon. Tati Walkie, Tati Walkie. C'est mignon. Comment? Je m'en fous, j'ai la pancarte, hein. Tu touches la pancarte pour voir. Tu passes par là, je passe par là. Ok. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Merde. Ah ouais? Foiré. Oh putain. C'est une gage, je fais la mort, ma fille. Clac, clac, clac. T'as défoncé. Non, je lui ai mis la tête dans ma tub. Il a miaulé, mec. Il a miaulé, gros. Il a fait comme Marlène hier soir. Il a grignoté le sgeg. La rencontre Léo Benoît. Bah, je m'en ai tellement mis plein la gueule que même sur ses cheveux, il était obligé de les couper parce que la coloration, elle reste encore. Ah, apparemment, Léo s'est pris une branlée. Ah bon? Tu veux qu'on remette ça? Non, mais c'est ce qu'il a mis comme, c'est ce qu'il a dit au montage. J'ai entendu dire ça. J'ai entendu, oh, il a violé. Je savais pas à qui tu parlais. Ah, moi, t'en es quoi? Benoît qui taille Léo de loin. Il a sauvé ton odeur. Attends, il t'a taillé combien après? Oh putain! C'est qui la pédale? C'est la. C'est, oh, c'est pas la balle! Franchement. C'est qui toi? C'est moi! C'est qui toi? C'est Benoît Chipali, 95! La pédale ou pas? Ouais, bah ouais! Pédale! Pour ma part, je bosse un petit peu à Montparnasse, lui au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne, hein? Hein, mon salaud? Ok, vas-y, monte là! Merde, putain, pourquoi t'as fermé la porte? Pourquoi t'as fermé la porte, mec? C'est parce qu'elle est toujours fermée à clé, celle-ci. Ouais. Donc obligatoirement un mec hétéro viril. Bon bah Maxime tu peux pas jouer hein. Non, oui. Charlotte, tes seins sont aussi beaux que la paroi céleste du ciel bleu d'Italie. Ça passe quand même, hein. Ça, ouais, ça passe quand même. Ça a l'air de beaucoup la charmer. Est-ce que j'ai vu une image de ma main en train de t'arracher une couille? Tu vois. Je suis un cadreur, moi c'est parce que si c'est Maxime qui cadre, on n'est pas dans la merde. En donc, effet. Voilà. Elle va te foutre un énorme vent, elle va se tourner vers Thomas. Moi? Ouais. Alors, t'es cadré un peu. C'est les films qui viennent à moi, jamais le contraire, donc non. Oh, le c'est un personnage. Oh, et là, tu sors le fromage. Le fromage. C'est totalement un truc génial. Et voilà. Ok, je termine en orgasme. Attention, c'est moi. Ah, ça me coule sur le cou. Il va perdre une couille. Hein. Non. J'étais un peu. Ça c'est dur quand même. Ça fait 3 fois qu'il va aux chiottes. Moi je te dirai de la cuvette après son passage, hein, parce que... De quoi? Non, j'ai rien dit. Mais qui fait ma cuvette? On peut tout de suite s'arranger avec ta grande bouche, là. Oui, il tourne. Oh la vache. Merci, putain, mais alors carrément, quoi. Oh là là, Amy, quoi. Putain, 80 kilos dans les fesses. Non, je rigole. Non, c'est bon, je rigole. Je l'ai frappé pour toi. Je t'en supplie, dis jamais ça, du coup. S'il te plaît. Arrête, calme. Non. Elle le remboîte avec un coup de pied. Hop là. Ah, il a dit une saloperie sur ta coquille. Alors là, alors violent. Alors là. Non mais après, on dira après. Après. Toi, t'es vraiment de ça. Ton cul fait 80 kilos. Avec mes amis, on passe du bon temps. Ma pomme d'Adam, elle ressort. Tu m'aurais cassé la chaise. On fera deux dans la journée, c'est un peu con. Ouais, je gars. Putain, tes sens sont si bas même que la paroi céleste du ciel bleu d'Italie. Attends, non, non mais il se tape une barre, mais tu fais wesh gars. Wesh girl. J'ai mis des morceaux de fromage. Je peux pas rouvrir une deuxième fois là. Ça deviendra gore. Un coup, je tape. Ah, c'est du fromage blanc ton truc, mec. T'as Léo qui lui saute dessus. Non. Ah, c'est génial, mort, là. C'est une excellente idée, là. Ça. Ah mais oui. Joel, toi aussi. Puis on la met de ce côté. Tout ce qui passe dans tes doigts, toi. Toi, tout ce qui passe dans ton cul. Ah, c'est génial. Non, ça, c'est de la part du lutin. Chut. Vas-y, relance. Non. Vas-y, non, putain. J'ai eu peur. J'ai peur de ma vie. Et au moins, là,
c'était la bonne. Il est cassé là maintenant. Faut le renvoyer cet été là. Renvoie-té. Renvoie-té. Bougie. Oh. Ah merde, ma jambe. Il a même pas rattrapé le fromage, j'ai dû aller chercher. Tu lui mets. Mets-le entre les jambes. Moi je peux lui mettre. Non, on le voit. Putain, avec le petit mouvement de gay à la fin. C'est parce que le vent il était contraire à toi. Ah, putain. J'ai commencé à rigoler quand je lui ai balancé. Oh putain, non. Bon, d'accord, j'avoue, je préfère le modèle noir. T'es moi, c'est quoi ton rire de merde là? T'es moi son rire, c'est reparti. T'es son rire. Excuse-moi, mais c'est. Éloigne-toi, s'il te plaît. Vas-y, éloigne-toi. Oh, là, non, c'est bon là. Vas-y, vite. Il bave. Il y a un filet qui avait. J'ai reçu un truc, je crois.